Donc les chiffres sur les défaillances d'entreprises de la Banque de France sont sortis pour le mois de janvier 2024. Et qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien, 56 290 défaillances d'entreprises en janvier 2024. C'est 30,9% de plus qu'en janvier 2023. Alors je reviens sur les déclarations de Monsieur Le Maire, qui nous expliquait tout le temps que ça allait mieux, que bah, la guerre à la Russie, la guerre économique à la Russie, effondrement de l'économie russe, et je parle même pas du plateau de LCI qui expliquait, y a un gars qui expliquait là, que la Russie ne cherchait pas qu'à prendre l'Ukraine, mais à effondrer l'Occident et les économies occidentales et compagnie. C'est déjà fait, hein. 56 000 défaillances d'entreprises avec une augmentation par rapport à l'année dernière, au même mois, on parle de janvier 2023 et janvier 2024, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Vous avez le détail sur la Banque de France pour ceux qui veulent aller chercher, aller regarder, allez-y. Mais très sincèrement, je ne sais pas où on va, mais on y va. On est déjà droit dans le mur. Et tu as des mecs qui gouvernent qui te disent que ça va mieux. Ben oui, ça va mieux, tu comprends? Il y a 30,9% de défaillances d'entreprises en France au mois de janvier 2024 par rapport à janvier 2023, mais ça va mieux, ça va très très bien, ça va mieux. On est en psychiatrie. On est en psychiatrie, ou alors c'est voulu. Moi, je pense que c'est voulu.